Donc je m'appelle Nathan Farissier, j'ai 20 ans et je suis lié au rugby. Donc j'avais des tendinopathies rotuliennes aux deux genoux. À droite, ça faisait 3 ans que j'en avais à peu près. Et à gauche, c'était plus récent, c'était l'année dernière, mais c'était là où c'était le plus intense. Et à la fin, j'ai eu des fissures sur les tendons, donc fallait passer à l'opération. Donc je me suis fait opérer début juillet et j'ai repris la rééducation 2 semaines après. Au début, ça s'est très bien passé et après, j'ai eu un petit coup de frein et j'avais des douleurs qui commençaient à revenir, donc on m'a conseillé justement de venir ici. Avant de venir, enfin, j'étais un peu dubitatif parce que je connaissais pas. Tout ce qui est psychologique ou. Enfin, j'y croyais pas trop en fait. Je savais pas trop comment ça consistait. Mais j'ai parlé avec d'autres joueurs qui l'avaient fait et sur qui ça avait très bien marché. Donc je me suis dit que, enfin, pourquoi ça marcherait pas sur moi, quoi. Et bah très bien parce que même pas sur le genou mais sur par exemple des travails de pied où j'étais plus à l'aise d'un côté que de l'autre. On a essayé de rééquilibrer ça et j'ai vu la différence directe en fait. Et après sur le genou c'était un peu moins évident parce que c'était plus compliqué. Mais dans les jours qui suivaient j'ai senti que ça allait mieux. Enfin, c'est très bien expliqué, c'est facile. En gros, sur le genou, enfin, à droite, j'arrivais bien à contracter les muscles du quadriceps et pas à gauche. Et donc, on a essayé de rééquilibrer ça. Sur le moment, j'arrivais pas trop à contracter à gauche, justement. Et puis, dans les jours qui ont suivi, j'ai continué à faire un peu des exercices qui m'étaient conseillés et essayer de faire un peu la même méthode et c'était de nouveau enfin c'était de nouveau possible. Bah du coup oui, bah au final enfin j'ai vu la différence quoi.